dit qu'aujourd'hui, la Poste Burkina Faso évolue dans trois grandes branches d'activité. Et la première grande branche d'activité qui était bien connue du public, c'était les activités courriers. Les activités courriers sont toujours d'actualité. Nous avons des multitudes de produits au niveau des courriers que nous mettons à la disposition de notre clientèle. Ça venait deux fois à Biskilette. Un véhicule quitte Ouaga, il vient de poser à Kanchari. Le gars, lui, il prend le vélo pour nous amener ça à Diapara. L'époque des lettres, des correspondances, c'était vraiment une belle époque avec une ambiance particulière. Hebdomadairement, chacun attendait avec le cœur qui battait. On a l'air que c'était une délibération, on attendait des résultats. Et pourtant, c'était des lettres. En écrivant une carte comme ça, ça montre à la personne que tu es proche de la personne. Recevoir une lettre venant du pays, c'était une joie. Donc, vous êtes heureux de partager les nouvelles que vous avez reçues. Oui, vraiment, je me souviens très bien de cette période-là, parce que c'est par la lettre postale qu'on pouvait avoir les informations de la famille. Des thèmes qui sont faits à l'effigie des chefs d'État. Il y a des thèmes qui sont faits à l'effigie des manifestations internationales. Cette atmosphère qui était une atmosphère parfois de joie, et parfois aussi on vous annonçait des nouvelles. Non, mais en tout cas, dans tous les cas, c'était la lettre servait de lien entre vous et là où vous êtes avec le pays. Le jour tant attendu, on lisait et dès que ton nom était prononcé, on sautait de joie, on criait de joie. Les camarades qui étaient à côté, toutes les copines, on te regardait comme une star. Et vraiment grande était la joie chaque fois quand, par exemple, on amène celui qui amène le courrier, dit bon, un tel, tu as une lettre. Pour ce qui concerne les traitements du courrier traditionnel, il y a principalement trois étapes. On a demandé pourquoi on dit retourne à la maison. Nous arrivons souvent d'être dans une situation où on ne peut pas distribuer le courrier parce que l'adresse n'est pas correcte. Voilà. Mais quand nous nous retrouvons dans de pareilles circonstances, ce que nous faisons, c'est de retourner le courrier à l'origine ou retourner le courrier à l'expéditeur, tout simplement. La Poste Burkina Faso, chaque jour, essaie d'innover. La Poste Burkina Faso a des produits aujourd'hui adaptés à leurs besoins qui fassent un tour dans les agences les plus proches et ils ne seront pas déçus.